Voilà, donc je disais, il faudrait savoir connaître le ministère des prophètes. You have to know what prophet ministry means. C'est important. Amen. C'est important. Voilà. Qui est prophète? Who is a prophet? Prophète veut dire quoi? What does it mean to be a prophet? Prophète veut dire un voyant. It means somebody who can le prophète, have a vision. Il a la bouche de Dieu. He has God's mouth. Il a les oreilles de Dieu. And God's ears. Amen. Amen. Et c'est, il est un guide spirituel. He's a spiritual guide. C'est vrai que vous avez des problèmes. It's true that you have problems. Lui, il est comme un guide. He is like a guide. Quand il te pose les mains. When he puts his hands on you. Ou bien quand il te donne une orientation. When he gives you guidance. Dieu te décante la situation. God will clear the situation. Lui vient pour décanter une situation. He comes to clear the situation. Donc quand vous avez fait un prophète de Dieu. When you deal with the prophet of God, c'est pas la manière dont vous voulez. It's not the way you want it. Mais c'est la manière dont Dieu l'inspire. It's the way God inspired him. Voilà, pour résoudre votre problème. To solve your problem. Vous pouvez parler. You can talk. Le prophète peut arriver à votre nom et dire, maintenant Dieu vous a délivré. Now the prophet can come to you and say, at this point God delivered you. J'ai envie de témoigner d'une jeune dame qui est venue dans mon centre. I spoke about. I have a testimony of a woman who came to my center and has fibroids. About 2 years ago. Well, as I was praying for people, she was coming. And I sent her to go sit down. And then she was hiding. Three times. Elle voulait que je lui impose les mains. She wanted me to put Dieu m'a donné une inspiration. Put my hand, but quand j'ai fini, j'ai demandé une bouteille d'eau minérale de mon bureau. After I done, I asked for a bottle of water. Je l'ai fait boire. Dis and I boire. Have drank the water. Elle a bu la moitié. She drank half of the bottle and then goes. Dès qu'elle a commencé à s'asseoir, 10 minutes après, elle a senti envie d'aller aux toilettes. 10 minutes after she sat down, she felt like she had to go to the toilet. Tout est sorti. When she went to the bathroom, everything came out. Elle allait. Elle a pris tout le sang. Elle allait faire chouler toutes sortes d'examens. After she left the center, she went and do all kind of exams. Fibrome a disparu. There was no fibrosis. Les gens pensent que c'est une position des mains partout. People think that just laying your hands is the solution for everything. Forcément, quand on pose les mains, c'est pas partout qu'on impose les mains. It's not all the time. Donc, c'est ça qu'on met du temps. Avant de prier, j'ai mis d'abord du temps dans la présence de Dieu. I have to vous take me demander time. Est-ce que les miracles que je viens, c'est important. I have et to si pray. Viens, comment je dois travailler tel ask God to allow me to donc, come here. Tous ces éléments, je viens. So when I have all the data, then I'll come here. Voilà, c'est lui mon employeur. En face d'une situation pendant que tu parles. Is my employer. Je veux que tu regardes mon problème. C'est dangereux. Sometimes people say, I want you to look at my problem. Dieu exauce. Sometimes God doesn't want to solve that problem. Besoin. He's the one who, you the one who needs to have that Dieu, Dieu te fait sortir de là. Il dit vous qui êtes chargé, venez. On présente le fardeau à Dieu. You are Lord. Mais si elle monte pas, le prophète te révèle la chose. So mais tu ne veux pas que soit réellement que l'on pourra vous dire, montre-moi, je veux que tu vois ma vie. Non, you can't just ask the prophet to take a look at your life. Parce que il y a la participation de ce monsieur ou la personne qui vient. C'est comme vous venez rencontrer Dieu. Il dit approchez-vous de moi, je m'approche de vous. You have to be a willing participant. Amen. And God, que c'est comme Bartimée a crié. Bartimée. Mais il y a une chose bizarre. Dieu, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Jesus asked him, what do you want? Sachant son besoin. Knowing Jésus what he wants. Il avait un problème. Mais God, Jesus knows he has a problem. Bête. Il dit, je veux retrouver la vie. Vous savez, Dieu ne répond pas aux besoins de celui qui ne sait pas ce qu'il veut. God doesn't answer the people who don't know what they want. Les gens pensent que l'homme de Dieu doit tout faire. They think God person has to do everything. But tu veux savoir dans quel but? What do you want to know? Oh Dieu là, oh God, quand il vous délivre, c'est pour le servir. When God delivers, je suis allé quelque part dans un pays. I went to a country. Et j'ai dit à la personne. I talked to somebody. La personne pleurait, elle voulait aider. The person will cry. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Elle I want to heal. I want. Moi, je suis pas sentimental. I was crying. I'm not sentimental. Non. Moi, la pleure, ça me séduit pas. Crying doesn't. Parce qu'il y a souvent, c'est pas trop vrai. Doesn't move me. Souvent, c'est pas trop vrai. C'est pas trop sincère. It's not. Sometimes the cry is not real.
Si c'était pleurs là, Dieu allait délivrer nos mamans du village. If it was just a matter of crying, God would have saved all our mothers back in the village. Amen. Because they have tough life. Il dit, il est malade, il ne mange pas bien. I don't eat, I don't feel well. Il est mythologique, donc il est sur régime. Ça peut le tuer ça. His handicap. Il look like bizarre. Ça peut le tuer, il ne balade pas. Il peut pas bouger. He can't move around. C'est tout, il dit oui. Lui, il est bound in a wheelchair. Il dit, c'est tout, il dit oui. He said, that's it? That's all your problem? Dieu ne va pas te guérir. God is not going to heal you. Il est choqué. He was shocked. Tu l'as dit. Dans tout ce que tu viens de dire. Everything that you just said, where is God's interest? Tu vas manger, you want to eat, voiture, you want to drive a car, you want to go hang out, c'est tout. Go and have a good life. Et that's oui. It. So, mais that's quoi dedans? So what God, what is there for God delivering you? Je suis allé à mon hôtel. I went back to my hotel. Je lui ai demandé, il ne comprenait pas. He didn't understand. Il était bon païen. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui connaissent pas les choses de Dieu. C'est difficile. It's tough. Frère, quand Dieu te guérit, c'est pour le servir. When God is healing you, quand Dieu te touche, il te délivre, c'est pour le servir. God touches you and heals you, you have to serve God. Il a quel intérêt à te délivrer? What interest does he have to deliver you? Il te l'embrasse comme des langues dans la rue. And then you're going to go kiss people's wife in the street. Quel est pour lui qui prostituée? You're going to go run after prostitutes. You have a bad problem. Les sorciers fusent dans rien parce qu'ils n'ont pas trouvé de santé. Witchcraft. Et Dieu va guérir les souffrances rénales. Tu vas repartir encore à prostituer. God will heal your kidney failure. Quand Dieu guérit, then you go back to what you do. Le jour quand Dieu voit ça, il te guérit. When God sees his interest, les gens veulent délivrer, ne sont pas prêts à servir Dieu. People want to be healed, but they don't want to serve God. Frère, brothers, nous-mêmes, quand on n'a pas d'intérêt quelque part, mais pas nos textes. When ourselves, when we don't have, when we don't see our interest somewhere, we don't get involved. Tu n'as pas d'intérêt à venir avec vous, est-ce? You don't see any interest in anything. Why are you here? Bâtiment sur mon quartier, hein? C'est moi. I'll go to Baltimore. C'est la meilleure ville. Je ne suis pas venu vous choquer. Amen. Amen. Voilà donc Dieu, God, quand il te sauve, when he saves you, il va te délivrer, c'est pourquoi. He wants to deliver you. What's that? Tu pleures, les sorciers veulent manger. Crying, Dieu les délivre. Ils ont préparé, ils ont acheté aubergine, tomates, ils veulent me manger. They have all been tu plais, well, Seigneur, délivre-moi. To eat. Je vois hache. Ils vont me dépecer. Merci. You see yourself being chopped. Oui. Mais le jour où tu as dit, Seigneur, si tu me délivres. The day you say, God, if you heal me, I'm going to serve. Amen. So God sees his interest. Et on raconte les gens comme ça. And we find people like that. Qui veulent recevoir de Dieu. We want to receive from et God. Ils ne veulent pas que Dieu prenne d'eux quelque chose. But they don't want God to take anything. Ils ne sont pas prêts à le servir. They don't want to serve. Et ça rend la chose bizarre. And it makes this Amen. Bizarre. Je pense que c'est pas votre cas ce soir. I hope it's not your case tonight. Amen. Amen. Vaut mieux avoir Dieu. It's better to que have chercher God. À prendre quelque chose de Dieu. Si tu vas dans ta vie, c'est ça que David dit. Le Psaume 60 verset 14 il dit: avec Dieu nous ferons des espoirs. Psalm 16 verse 11. Il écrasera nos ennemis. Avec God will make. Nous prenons des décisions sans Dieu. Nous we nous engageons dans les choses sans Dieu. Maintenant, il n'est pas dedans. Mais on a des problèmes. We don't get God involved in our life. Alléluia. That's a problem. Vous m'avez saisi. Alléluia. Alléluia. Dieu va vous délivrer. Dieu God est là. Free is delivering. C'est l'être suprême. Dieu ne vous bloque pas, c'est l'être suprême. Either you like or not, it's a supreme being. It's the Almighty. Amen. Amen. J'ai parlé de la fondation, n'est-ce pas? Yesterday I spoke about the foundation that I run. Nous amène nous les Africains. Amen. 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 C'est le problème qui amène les Haïtiens. En Haïti, là, c'est le problème. C'est le problème. Ils sont tous dans le vaudou. They're all ils vont un marché spécial où on vend les ossements humains. On voit les esquelettes. Oui, demandez. There's a market where we sell. Où on se balade avec de l'eau de cadavre. On dit, il y a l'eau de cadavre, hein. C'est frais. Demandez. They sell. Demandez aux esquelettes. Human fluid. Il ne fait que de vaudou. Dead human fluid. Mais pourquoi ils sont étonnés des catastrophes? So why are they stunned about what's happening? Ça va chaque jour sur le pays. So, all the bad things that happen to the country. Mais généralement, ils sont d'origine Bénin. Ils viennent du Bénin, dans leur origine. The origin is Benin. Voilà, Bénin. Vous savez bien là-bas. C'est que ça donc le vaudou et tout ça. That's the base. Amen. Amen. Vous comprenez? You understand? Donc notre origine. Our origin. C'est qu'on a des gens fait sur nous. What people j'ai mean dit, in our life. J'ai dit un Africain né
ce sont des routières. When African child is born, pourquoi non? Parce que c'est nécessaire. What do we think that is? Baby, l'attaché ici, l'attaché ici. The baby has all kind of cracks. Son enfant est étouffé. He's even like a stuffer. Et tu demandes maman c'est pourquoi? Elle dit je sais pas. Mais la voisine dit il faut faire. Oh, I don't know, but the neighbor says good. Est-ce qu'un enfant blanc fait? Do we have to do that to a child? Non, ils vont parler tout. Not really. Il va maigrir. You should speak too much about a child. Child is gone. Quand un enfant naît, on dit on faut qu'on rase ses cheveux pour faire des cérémonies. They say when the child born, you have to take the hair, do some ritual. Quel eau on sait pas. To wash the child. Quand son ombril va tomber, le cordon, il faut qu'on fasse des cérémonies. When the umbilical cord fell, you have to do some ceremonial. Il faut qu'on la présente à les esprits. Donc tout ça, nous naissons dans ce genre d'environnement. So that's how we grow up. Et les démons nous suivent. Those demons follow us. Amen. 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 C'est pour ça que nous, vous expliquez pourquoi l'Africain est violent. I explain to you why Africans are violent. Parce que le bébé même, je vous expliquer comment nourrir le bébé. I explain to you how we feed the baby sometimes. On appelle ça anabobaka. Anabobaka. La maman va au marché, toi tu pleures. Your mom wants to go to do her business in the market, you crying. Elle ne passe pas de sucre. She doesn't have much sugar. Elle a sans léger. So she just makes. Elle qui pleure. Le quand tu mets bien, il baisse. Quand le bébé fait le jeu, spawn, the baby elle attrape le bébé comme ça. So they tie up the baby. Elle attrape Marie là. They hold the nose. Et elle met dedans. And they fill to the mouth. They fill to the mouth. Cuvée. A big ball. Le bébé fait le bébé. Then the baby grows and cries and falls asleep. Jusqu'à 18h. Qui vient le bébé même, il veut continuer la nuit. Until 6 p.m. Tu m'as dit le bébé. He came and woke the baby up. Donc c'est pour ça que vous êtes élevé. That's how we vote. C'est pour ça qu'on est violent. That's how we vote. On est violent. Quand il vient, non viens là de papa là, ça est violence. When they say come here, as the dad, when the dad's calling. Amen. Donc on a grandi dans des environnements bizarres. That's on est malade, on nous purige. On prend purgeur, piment. On le purge. When you're sick, ça you just pump the potion through your behind. Il est bébé, c'est purgeur. Un enfant, un piment dedans. That's how they cleanse you. Comment il va with ça? Pepper and all kind of donc c'est dans ces environnements-là. That's how on a vu qu'on a ramassé des démons. In this kind of environment, we grew up. Amen. We grew up all kind of demons. On a ramassé des démons. We grew up de forêt. From forest. On a l'église, mais on a un comportement de gauche. We are in church, but we have different behavior. Amen. Amen. C'est un autre comportement. Parce que c'est une éducation, c'est une maladie. This is the mentality. On a besoin d'être délivré de tous. We have to be delivered from all amen. This kind of. Quand on n'est pas délivré, là où les gens réussissent, nous on n'arrive pas à réussir. So when we not deliver, when people succeed, et we are. Hier on a prié pour ça. Amen. We pray yesterday for that. Okay, je vous donne un secret avant de commencer. I'll give you a secret. Amen. Amen. Ici c'est le continent quoi? What is this continent? America. America. C'est pourquoi? C'est quoi? C'est quel continent? C'est fait pour le continent américain fait pour qui? What's the American continent made for? For whom? For Americans. C'est fait pour les Américains. It's made donc for si Americans. Tu viens de devenir Américain, il y a des procédures. So you want to become American, there's process. Américain. On regarde ton dossier. To become si American, on donne, look at your file, they can grant you. Mais quand tu as encore du voir, tu es Ivoirien. Tu es Ivoirien. When you're in Ivory Coast, you are Ivoirien. Il n'y a pas de pardon. On te donne ton passeport Ivoirien. Prouve-lui que tu demandes que tu es dans quel coin, on te donne. Just from where you're born, you give you the passport. Les gens viennent ici font 20 ans, ils font des années 30 ans, non pas des. People come here 20 years, where do they have papers? J'ai dit à prophète, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est normal. That's what happened. Vous savez? It's okay, it's normal. Quand nous sortons de l'Afrique, because when we leave Africa, nous déplaçons les esprits de l'Afrique. We move with African spirits. Pour ça, quand tu demandes, ton papa dit la bonne langue, la maison, ça fait tu trembles. So when your father calls you back from back home, he wants money, you shake. Quand tu n'as pas les nouvelles d'Afrique, tu trembles. When you don't have news from Africa, you shake, you worry. Vous comprenez? Donc nous, on est Africains. We are Africans. Ok. Toi, tu viens sur le sol américain. You come into American soil. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? Pour que l'Amérique. For America. Te donne sa richesse. That grant you is rich. Est-ce que je suis un peu? C'est ce que vous donnez. La Bible dit quoi? What là où tu fouleras les pieds et tu donnes le territoire à
The Bible says where you put your foot down, it will give you the piece of that territory. Le territoire devient ta possession. The territory becomes your possession. Quand c'est ta possession, tu manges les meilleurs produits. When it becomes your possession, you eat the best fruits from that land. Mais pour que le territoire te revienne en possession, c'est que tu as fait quelque chose. For that territory to become your possession, you have to do something. Amen. Amen. Okay. Vous voyez que la terre, c'est à partir de la terre que se trouvent toutes les richesses. It's from l'or, the land, the land, le pétrole, c'est la terre. Oil, gold. Tout, c'est la terre. Everything is mais from. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? Pour que la terre américaine. For American territory. Accept you. Amen. Amen. Or, la Bible dit que là où, quand tu trouves un territoire, hein, tu trouves un territoire, Dieu te donne la possession. Il faut que tu parles à la terre américaine. C'est le secret. God will give you the territory. Vous avez des Bibles là-bas? Yes. Faut prendre Marc 4, verset 14. Je vais montrer verse 14. Marc, verse 14. Si vous avez ce secret là, rien ne peut vous arrêter. If you have that secret, nothing. Un processus de prospérité au can stop you. Become prosperous. Amen. Amen. Non, amen. Alléluia. Marc 14. Allons-y. Marc 4, verset 14. Mark 4, verse 14. Lis alors, lis tout net. Lis alors. Lis alors toi. Lève-toi. C'est qu'il a trouvé. Le semeur, c'est la parole. Oui, très bien. On dit le semeur, c'est la parole. Le semeur, c'est la parole. Très bien. Si vous connaissez cette loi, tu ne récoltes que, on ne récolte que ce qu'on a. C'est donc, you only harvest what you see, what you sow. On ne récolte que ce qu'on a semé. Ce sera que Dieu va utiliser la parole. L'élément la plus, l'élément c'est la parole que Dieu a fait pour créer le monde. God used word to create the world, the universe. Amen. C'est le monde, la parole. Tout dans le secret. Dieu a créé la parole pour créer le monde, n'est-ce pas? God used word to create universe. C'est ça que la Bible dit, au commencement était la parole, that's et la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. At the beginning, there's donc la parole est une puissance créatrice. Et alors là, so the word is Marc nous révèle que creation. C'est une semence d'ailleurs. It's a seed. Donc la terre, so the soil. C'est pas pour toi cette terre. It's tu es africain. It's not yours. This land is not yours. Prenez Deutéronome 32. Take Deutéronome. Vous allez bien comprendre mon enseignement. Vous allez bien comprendre mon enseignement. Si tu as fait ça. Ce qui était bloqué avant, c'est débloqué. If you don't know, whatever was. Vous venez chez les gens, vous voulez prospérer avant eux. Non, le système est fait que je l'ai dit. The land is American first. Oui. Sieur, prêtez l'oreille. Très bien, et dit, je parlerai. Sieur, prêtez l'oreille et je parlerai. Le ciel est fait pour écouter nos prières. Heavens. Allons-y. Père, écoute les paroles de ma bouche. Vous comprenez? Amen. Deux choses. You listen. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir du ciel et le pouvoir de la terre. Le pouvoir du ciel et le pouvoir de la terre. Dieu, prête l'oreille. Là-bas, c'est l'oreille. On prie, Seigneur agit, Seigneur est sourd, Seigneur est des fibres, Seigneur est cancer. Amen. Amen. Mais si tu veux avoir des richesses, il faut que la terre enregistre ce que tu dis, déclare. Il dit terre. Écoute mes instructions. Dans la version, écoute ce que je vais te dire comme instruction. Je te donne les instructions. Amen. Il donne une semence. You give orders to selon Marc 4, verset 14, et le semeur sème la parole. Donc si je viens sur le territoire américain, je dois dire l'Amérique. Va me donner de la prospérité. So I have to ask American territory to give. Tu dois avoir le même droit que les Américains. Si la terre. You have to send the same right. Vous voyez prier partout. Vous voyez jeûner prier partout. It's not just fasting and praying. Tu es sur la terre, les Américains. You are in American soil. Depuis que tu es arrivé, tu n'as pas votre traité avec la terre américaine. Since you've been here, you haven't. La terre américaine, tu reconnais un Africain venant de Côte d'Ivoire. With American soil. Donc, on ne te reconnaît pas en tant que. Un Américain, donc toutes les procédures que tu as commencé à mettre en place, les choses vont commencer à te suivre. Everything, if you put that process in place, everything is going to work out. Amen. Amen. Vous comprenez? Il faut commencer à traiter avec la terre. You have to start dealing with the land. Parce que chez toi, tu as consacré la terre de chez toi.
From wherever you from, you were consacré à la terre des ancêtres. You were given sur ce que les esprits de the land of your ancestors. Donc tu viens sur le territoire de Dieu. Peu importe que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois en Amérique, en Europe, en Canada, wherever you are, tu arrives, tu parles. You have to speak. Cette action là, on fait ça à partir de 5h du matin. You have to speak to the soil and his daughter 5 years in the morning for 9 days. Vous partez sur la terre ferme, pas sur le carreau. Vous sortez sur la terre ferme. You go out to the land. Vous partez à la terre pendant 9 jours. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la naissance. For 9 days you vous partez à la terre. 9, the number 9 is the number of 1, 2, vous parlez, tous les 5 heures du matin, vous venez, vous parlez. Every 5 in the morning. Suis, moi qui dis tout ton nom, je suis venu sur le territoire américain. Je dois avoir les mêmes droits que les Américains. Je dois avoir tous mes droits. Je dois avoir la prospérité. You say where you from. Et puis tu verses de lui dans le land, you belong here. C'est la terre où tu marches. To the riches of this place. Lui a parlé, cette terre a enregistré la parole. The land, de ton nom dit, écoute ma parole, écoute, prête l'oreille. Et de ton nom dit, stère, écoute mes instructions. Quelle est l'instruction que tu as donnée là? C'est ça que nous parlons, quand ils sont au village, quand ils étaient bénis, n'est-ce pas, lorsque toi, ils restent sur la terre, ils parlent à la terre. Now our ancestors want to bless you, hein? They bless the soil. C'est ce qu'on appelle le mystère. That's the mystery. C'est le mystère. It's mystery. Attends, ceci, pourquoi tu marches pour aller chercher le travail? C'est pas la terre. Where did you walk to go find job? You walk on the ground. C'est quoi Dieu a pris de fabriquer? What does God use to make? C'est la terre. Land, I mean soil. La terre, il y a une manière de traiter avec la terre. There's a way to treat it. C'est ce qu'on appelle le mystère. Il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent pas les pasteurs. Ils ne connaissent pas. The pastors don't know that. Amen. Oh, les gens parlent de sorcellerie. Ils sont attaqués de sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Sometimes il n'a pas pu traiter le problème. De possession. You didn't treat the possession. Quand tu viens de l'argent, tu viens manger plus que. The right one. Pas déjà c'est. You've been to people and you cannot just get ahead of them. Quand tu marches dans une maison, lui là, il est génial, il est bon, il est gagnant. Mais merci, merci. Where is this guy from? Tu es ici à dire ici, mais ton esprit. You hear, but la salle de paix se voit en tant que. C'est là que tu vas te mettre tes patrons. Dis non, toi, tu vas pas te donner 4 grilles. Qui tu vas moi? You ask for a green card, but c'est you don't. Trop... C'est l'esprit qui est présent. You look to Africa. Oh, si tu as that's traité, the spirit is doing that. Les choses de l'Amérique te seront en possession. Amen. Put that process. C'est ça que la Bible dit quand tu vois que tu es en possession du territoire. Take en possession fait, of the land. Tu as parler au territoire. Talk amen. To the man. Talk to the man. Peut-être que tu ne savais pas. Maybe you didn't know. C'est ça que l'ignorance est la plus grande maladie. Ignorance is the. C'est ça que demain, je vais commencer demain. Pour que tu respectes les 9 jours. Ne pas sauter un jour. Ne saute même pas un jour. You can't skip one en faisant ça, vous avez de l'édomption. C'est comme une parole, c'est comme la semence, le grain de maïs que vous sèmez, vous avez pendant 9 jours. For 9 days. Parce que le chiffre est beaucoup important. Le chiffre est le chiffre de la naissance. It's the number of, ce qui the number dit of... là, ça doit prendre vie, ça doit naître. Voilà. Moi, en tant que prophète, so whatever you do, c'est un ministère pour ça que je vous enseigne. Amen. As a prophet, c'est ça que Élisée a dit à Naaman, va plonger dans l'eau. Ton problème, c'est dans l'eau. Nous, là, on vous that's explique. That's why Élisée told Naaman to go. Qu'est-ce que vous devez faire pour entrer en possession? What did you do? Si tu as fait ça, to pass it, partout tu pars sur le sol américain te donne ce que tu as demandé. America saw you give you that, whatever you deserve if you do. Parce que vous ne savez pas ce que les Américains ont fait sur la terre ici. You don't know what Americans did on that soil before. Vous voyez vos frères, qu'on appelle ça, c'est quoi la main de nous, c'est vous, hein? Thanksgiving. Hein? Thanksgiving. Dégons partout dans les pays. Oui, Thanksgiving. Hein? There was turkey everywhere. Et puis maintenant, vous dites vendredi noir, n'est-ce pas? On dit Black Friday. Let's say Black Friday after Thanksgiving. Il y a une histoire. There's a story about it. Où les Anglais sont venus tuer nos frères. The colonials came and killed. Vous connaissez tout ça? C'est pas que je l'ai caché, c'est sur Google tout ça. C'est sur Google. Maintenant, ils sont venus prendre. They took. Qu'ils ont pris la terre. They took the land. On n'était pas là. Donc c'est pas si ils ont pris la terre. Parce qu'on prend la terre, on fait des choses. Vous comprenez? You understand? C'est fait pour eux. It's made for them. Amen. Amen. Alléluia. Vous m'avez bien compris? Donc il faut traiter. So you have to treat. C'est comme le dollar. With the land. It's like the dollar. Vous n'avez pas vu un pasteur ou un imam qui va prier
on fabrique le dollar qu'on avait parce que le pasteur vient, tu vas payer le dollar. Have you seen imam or pastor c'est comme ça? Where they make the dao? Hein? Have you ever seen? Hein? Répondez-moi. Have you seen an imam or pastor where they make dao? On n'a même pas un révérend là-bas. Bishop, non. Bishop, reverence, no, none of them go there. La plupart sont des païens. They're all qu'est-ce qu'ils font ces papiers là? Gentiles. Quand ça tombe, on regarde, on court, ça nous dérange. So when we see, we run after them. What did they do to that paper? Amen. 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 Et quand c'est que même l'homme, il oublie même son être humain puis le tue à cause de l'argent. In such a way that we human beings can kill for money. Un dollar américain. For $1 American. Quand vous regardez sur un dollar américain. When you look on the dollar. Il y a la pyramide. There's a pyramid. Et puis l'œil voyant. La pyramide de franc-maçonnerie. Et puis l'œil voyant. C'est ce qui est sur le dollar. Pyramid. Ça veut dire que c'est un the Mason sign. Toutes les banques que vous voyez au monde ici, c'est les francs-maçons qui gèrent. The Masons hold all the banks. L'argent est fait de telle sorte que ça va chez eux, ça revient chez eux. Money is made in such a way that it goes and comes back. Ça va, ça revient. It's a system. It goes out, it comes back to them. C'est un système. It's a system. Mais c'est ce qu'il essaie d'ici là. That's what is made on the money. Ça quand tu rentres en position du dollar, il faut le maîtriser. So when you cash the dollar, you have to hold it. Parler à l'esprit de dollar. You have to speak to the spirit of the dollar. Toi, dollar là. You. Tu dois pas venir partir comme chez moi. You can't just come and leave my hand. Tu dois bouger. Souvent il va disparaître. Il y a des problèmes bizarres. Sur ton âge, tu n'arrives pas à réaliser. All kind of situations. Mais c'est comme ça de partir. So that's how your money goes. Il faut savoir d'amener, mais ça arrive chez eux. C'est un système. Money always goes back to the source. Amen. Amen. C'est pas que tu n'arrives pas à maîtriser ça. So you can. Tu vas commencer à parler au dollar. You can hold on to the dollar. You have to speak to the dollar to stay with you, to hold on. C'est les petits secrets comme ça je vous donne. So this kind of secret that you. Ce que Dieu vous bénisse, I wish that God bless you. Et que vous soyez prospère. We pray so you be prosperous. Mais comme vous ne connaissez pas, so vous know. Pensez que c'est prier seulement, on va so faire. On doit gêner seulement, gêner. You all think it's about just fasting and praying. C'est ça que Jésus dit, telle sorte de démons. That's what Jesus says. Par la prière, par le jeûne et la prière. This kind of demons cannot just be cast out. Il y a des esprits, on n'a pas besoin de gêner. Amen. Il faut parler. Comme la terre, on n'a pas besoin de gérer, il faut parler à la terre. You can speak to the earth, to the land. Comment you don't have to fast. Divo, les églises ont des problèmes. Quand les gens vont là, ils ont des problèmes avec Adivo. Tous les églises. Mais moi, je prospère. C'est là-bas, j'équipe pour faire le tour. Parce que j'ai maîtrisé la terre. Je suis à 2h15 d'Abidjan. C'est un village. Mais c'est là-bas, j'équipe. Puis, je fais le tour du monde. That's where I came mon ministère est basé là-bas. Parce que j'ai maîtrisé la terre là-bas. That's where my base is. Non, il n'y a pas une terre où un chrétien ne peut pas prospérer. There's no land where the Christian cannot prosper. Ça n'existe pas. It doesn't exist. Amen. Amen. Mais ça dépend de la connaissance que tu as pour traiter avec la terre, depends pour traiter avec l'atmosphère, pour traiter avec les esprits qui règnent sur le territoire. To deal with the spirit. Parce qu'il y a des esprits qui sont sur le territoire. Or, toi, tu as tout pouvoir. You have all powers with Jesus. Luc 10, verset 19. Il nous a donné tout pouvoir de marcher sur les esprits. Look, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne sera pour vous. You have all powers to work on any situation. Vous devez avoir l'argent. You need to have money. Amen. Ah non, il y a d'autres qui disent non, il ne veut pas être beaucoup riche. Some people say, we don't want to be too rich. Tu es possédé. You are possessed. Moi, je veux avoir beaucoup d'argent. I want to have more money. I want to have a lot of money. Tu as avoir petit argent. What do you want to have a little for? Ce sont les gens de nous la vie. If you don't like God, that's your problem. I said, Dieu a beaucoup d'argent. That God's had no money? Il a beaucoup d'argent. God is the richest. C'est pour lui, oh, il a l'argent, il va avoir petit. God and money belongs to God. Non, s'il a beaucoup, il va pas respecter Dieu. So if you have too much money, you don't respect God. Celui qui est pauvre, celui qui ne respecte pas Dieu. Vous savez pas bien pour qui est honnête. The poor doesn't respect God. Have you ever seen a poor man that's honest? Poor man, you're not honest. The poor is not honest. So ça qu'il a posé, qu'il faut réaliser ça. You have to receive the poor. When you begin being poor, tu deviens malhonnête. You become dishonest. Tout vent peut t'emporter. Everyone can take it. C'est vrai qu'il faut que Dieu te rende prospère riche. That's what God la richesse c'est quoi? Prosperous. C'est-à-dire que tu as constant, tu as les besoins. C'est-à-dire que tu as comblé de biens.
Being rich, you don't have any needs. C'est ça, la richesse. That's what rich being. That's what being rich. C'est toi qui prends tout le Tu regardes les luxures. Amen. Amen. Dieu doit nous rendre riches. Amen. God has to make us rich. Aimer la richesse. Love rich. Ça fait partie de notre éternité. Yes. It's part of our life. C'est ça que tous les jours, vous voyez, en Dieu, ils sont tous riches. Parce qu'ils disent que la richesse, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un est pauvre, c'est que Dieu n'est plus dans sa vie. Poverty is absence of God. J'ai tant de les actions prophétiques. Et puis le gars m'a dit ça. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a choqué. Il m'a dit, il m'a dit, why do you say that? He said, why? Dieu vient chez toi et puis il laisse l'argent là-bas, c'est ça? God come to you and leave the money somewhere. Il vient chez toi et puis son argent, il laisse ça dehors. Il habite chez toi. C'est comme ça? You say God is with you. Il dit non. So what happened to his money? Il dit mais pourquoi tu n'as pas? So God come with the money. So why don't you have it? Vous êtes en train de gêner seulement. So you just fast me. Vous ne cherchez pas à faire. You don't do a business. C'est ça qu'aujourd'hui les chrétiens ont compris. Today, Christians are they are doing well. If you are $100,000, you can't remember $100,000. That's it. And what can bother you? Tu n'es pas pressé. You solve the problem. I encourage you to do business. Dans les affaires. To invest. Mettez-vous dans les affaires. To have parce que business. Dieu n'est pas comme un magicien pour venir multiplier les dollars chez toi. Il bénit le fruit de ton travail. God doesn't make Dieu, c'est un travail. C'est pour ça que j'aime le système américain. Je suis dit, pourquoi les Américains sont riches? Puis il a posé la question. Tu dis qu'ils ont raison. Ils ont raison. Là-bas, je suis là-bas, on danse, on danse. Pourquoi le coup? Oh, vous n'avez pas ce temps-là. People don't have time here. Travaillez seulement. Your work. Time is money. Time is money. Mais le temps, c'est l'argent. Vous jouez ça. Time is money. Vous passez votre temps de jouer dans pas. Allez, people spend their time. They play dominoes. African dominoes and some other things. Maman, on joue. On attend de s'amuser. On joue seulement. We play. On boit bandit. We drink palm oil. Belé. Belé, on boit. It's a local whiskey. Les gens n'ont pas ce temps de travail. People don't have that time here. They work. Et puis ils veulent pas travailler. Surtout qu'ils sont ici. C'est à vous ils demandent l'argent. And they don't work back home, but they ask you money because you're here. You have. À 44 ans, tu chez ses parents. At 34 years old, you stay at your. Et tu appelles pour dire laissez le gratin de là-bas. Hein? Tu dis à ton neveu in your family's house. And you fight with kids for food. C'est pour tonton, hein? Aujourd'hui, là, c'est pour tonton. Tonton est sorti là après. You ask à 14 ans, ne touchez pas gratin. You ask the kids. Oh, tonton doit avoir sa maison. To let you tonton doit pour vous donner gratin. Tonton doit laisser le neveu. Normally, you have to have your own mais house. Mais tonton a laissé le gratin. You can't fight with the kid. You're not supposed to be fighting the kid for food. Non, il n'y a pas là toujours. So there's always fighting. Les neveux sont têtus, ils mangent tous les gratins. Because nephews are. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Amen. Le souhait de Dieu, c'est de vous voir prospère. God wishes. Comment les gens sauront que vous avez Dieu? How will God know that you have? Santé, how people know you have God? Votre prospérité. Your les gens ne croient que ce qu'ils voient. Your prosperity. People only believe what they see. Je vais à l'église. I'm going to church. You have a big Bible. Ça dit aux gens. It doesn't mean anything to people. Ils te voient. People see you. Tu as bonne santé. You're in good health. Tes affaires prospèrent. You prosper. Tout ce que tu vas dire, il va te suivre. Everything you tell him is going to follow. Mais toi, tu vas dire. You go to the neighbor. Something's itching. You have something's punching. Something. My body's whole body is itching. Tu dis quoi voisin? You turn to the neighbor. Puis matin tu vas à l'église. And in the morning you go to church. Là, je suis.
He's not going to follow you to church. He's biting you all over the place. He's not going to follow you. Pardon. Say, please. Amen. Nous devons être témoins. We have to be. Qu'on est témoin. C'est le témoignage. We have to be the testimony. C'est notre témoignage. Our testimony. Je suis là pour prier pour vous. I'm here to pray for you. Vous vous ouvrez les portes de la grâce au nom de Jésus. Pour que vous soyez en possession de la richesse. So you can be in possession of the riches. Amen. All your blessings. Alléluia. Alléluia. Quand tout à l'heure je vais vous écouter. I will receive. Et selon l'inspiration. I'll listen to you. And on va essayer de prier pour vous. Based on the revelation. N'oubliez pas les prophéties selon la pour posséder la terre américaine. Don't forget to do what you need to do to gain possession of the land. Il y a une nationalité quand tu as ça, tu es béni. There's some national citizenship when you have. On n'est pas chrétien direct. Tu as une nationalité quand tu as ça, tu chicotes seulement dans la rue. On te chicote. Quelle nationalité? Tu dis ton accent de frappe. Tu dis devant moi. There's some citizenship when you have that passport, they always beat you up. Je suis américain. When you say I'm American, l'Amérique vient te chercher. When there's fire, tu vois les soldats américains viennent te chercher. There's one now. Vous jouez dans ce jeu comme ça. Amen. Et les nationalités, quand tu as ça, tu es béni. There's some citizenship when you have it. Nous on le considère. You don't even consider. On va prendre quelqu'un nationalité. They burn us. Couche-toi. Later, and beat you up because of your nationality, your citizenship. When you say you're American, they're scared. Quand tu es français, ils ont peur. Les Français. Un terroriste attrape un Français dans le désert, en Mali. Toute l'armée française trappe dans le train. Nous, on veut tuer, tu n'as pas encore tué. When there's a French hostage in the desert, the whole Gavin has to go pick him up. Tuez-le. For us, they say just kill him. Oh, chez nous, c'est partout. Et il a attrapé un Américain. À combien sur l'Américain? Toute l'Amérique est mobilisée à aller le chercher. Que Dieu a écouté de nous. Because one American hostage, the whole. Seigneur, écoutez de nous. Que le Seigneur écoute de nous. God has mercy on us. On voit les Français, nous, les Montréal. We see French. La dame, la Bétancourt. Dans ici la chaîne de Betancourt, Colombie. Il a vu comment la France a déployé pour la libérer. The French army deployed. On est prendre un gars de Gagné ou comme moi. Go pick up somebody from Gagné. Tu as appelé la Côte d'Ivoire. And you call the F, you call the government. They're going to say, forget you. À cause de lui, là, on est là. Because of him. Quel soldat? Moi, soldat même. Il peut venir contre les gars. We came and say, now we are. Donc, il y a des soldats qui sont là. Amen. So there's a citizenship when you have it, you are blessed. La terre, comment? So God brought you here this land. This is like an arm. J'ai dit, il y a deux choses. There's two things. Ou c'est la sorcellerie. It's either a sorcery. Ou tu ne peux pas travailler. Or you can't work. Comme il y a la sorcellerie. Since there's witchcraft. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. I'm the marshal from the brigade of sorcery, anti-sorcery. J'ai donné de l'ordre. Parlez aux sorciers de vous lâcher, vous lâcherons tout. I will give order for sorcerers. Quand on va rencontrer un privé, on aura l'occasion de se parler. This is a one-on-one. Quand vous rencontrez un prophète de l'Éternel, tu es loin de l'Éternel. When you meet, c'est par lui que passe des grandes situations. An anointed man, an anointed prophet. Moi, je suis pas devenu chrétien comme ça. I'm here to clear all situations. I'm from a Muslim tradition. Ma maman est musulmane. My mother is Muslim. Ma mère, mon papa est bétier, mais musulman. Je suis né dans une famille musulmane. I was born in a Muslim. C'est quand j'étais malade. When I was sick, mon papa sorti de lui. They killed my father. C'est pour ça que j'ai parents in which in. Si on me parle de Jésus, j'ai peur. That's how I met Jesus. J'ai peur des chrétiens. I was afraid. Parce qu'on dit qu'il lave le cerveau des gens. They say they do a brain. C'est comme ça. Brainwash. Quand ils voient les gens, ils fuient. Brainwash. They brainwash. Quand tu les écoutes, on dit ils chantent ta tête. So when you listen to Christians, they brainwash. Si on parle de Christ, il y a un problème. So I went to church because I had a situation. I didn't know Jesus can heal anyone. My lungs were. No doctors can see what I have. And Jesus reveals something. He heals me. That's why I saw him today. I saw Jesus more than 20 times. Believe it or not, more than 20 times. That's why I saw him. Jesus poured on him, on me. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Jesus, God is marvelous. C'est ce que je sais. That's what I said. Je sais que Dieu m'a choisi. I know Jesus. I know God chose me. Ça, je suis convaincu. I'm convinced. Nobody will say anything about that. I don't care what people say. Amen. Dans tout temps, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour vous. In few minutes, the grace of God. Que Dieu vous donne la richesse, la prospérité, et qu'il vous protège. And pray for God to give you grace. Contre la sorcellerie, and His riches. Amen. And voilà, donc soyez free from witchcraft. Aujourd'hui là, c'est beaucoup privé. Amen. So it's going to be privacy. Quand vous venez voir un médecin, je suis comme un médecin. I'm like a doctor. C'est moi à moi de vous orienter. I'm going to guide you. À moi de vous, n'est-ce pas, based on God's revelation. What to do? Seigneur, merci pour cette action. Merci pour ce programme. Bénis toutes choses. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Voilà, donc on aura l'occasion tout à l'heure. Voilà, de vous recevoir. Ça, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est super. Ici, ça, c'est le drapeau des États-Unis. C'est vraiment super. Voilà, donc on va. Voilà, ça, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. This is the flag of Ivory Coast. Voilà, donc on va essayer de prier pour vous tout à l'heure. Il y aura une rencontre.